Ma question s'adresse à la ministre de la Transition énergétique, Madame Pannier-Runacher. Au printemps dernier, vous avez cherché à imposer la dissolution de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans l'autorité de sûreté nucléaire. Nous vous avons battu. Après un rapport prétexte de l'OPEXT, vous revenez avec un nouveau projet de loi pour mettre fin à la séparation de l'expertise et de la décision en deux entités distinctes. L'incompréhension reste totale et constitue le premier motif d'opposition des salariés de l'IRSN, où les démissions ont progressé de 50% et même de l'ASN. Mais son président a vendu la mèche la semaine dernière. La fusion vise notamment à répondre aux exigences de nouveaux opérateurs, ces start-up qui pourraient demain exploiter des petits réacteurs nucléaires, appelés SMR, partout près des grandes industries et pas seulement dans le périmètre des centrales existantes. Vous nous avez donc menti. Le Conseil constitutionnel a confirmé à deux reprises que EDF dispose d'un monopole de production d'électricité nucléaire en France. Vous allez pourtant confier celle-ci à des entreprises privées qui auront passé des contrats avec de gros clients pour leur livrer de l'électricité à prix fixe durant plusieurs années. Qui peut croire qu'elles prendront le risque financier d'arrêter leur réacteur en cas de risque sur la sûreté, comme le fait EDF aujourd'hui avec la garantie financière de l'État ? Vous nous préparez les ingrédients de la catastrophe de Fukushima, pour laquelle le Parlement japonais estime que la responsabilité de l'accident réside principalement dans la négligence de l'opérateur et dans la complaisance de l'organe de réglementation à son égard. La conjugaison de vos obsessions atomiques et de la main invisible du marché pourrait ici aussi se traduire en irradiation bien réelle et en territoire sacrifié. Alors, Madame la ministre de la Trahison énergétique, il est temps de dire la vérité. Pourquoi brader la sûreté nucléaire alors que la filière est déjà confrontée à tant d'impasses et à la folie de votre relance ?